Alléluia, papa, on veut on t'accueillir veut ce soir, papa. On veut te donner toute la place. Si on est là, c'est pour toi. C'est pour avoir une rencontre avec toi, un face-à-face -face avec toi, un cœur à cœur. Seigneur, on désire mieux te connaître, Père. On veut chercher ta face ce soir en tant qu'église, en tant que fils, en tant que fille, en tant qu'enfant du Seigneur. On veut s'approcher de toi ce soir. Et on t'accueille aussi, Saint-Esprit, que tu puisses avoir le champ libre d'agir ce soir comme tu le désires. Le Seigneur, viens bouleverser nos plans, viens bouleverser euh, nos cœurs, Seigneur, viens bouleverser le programme, même s'il le faut, Père. On veut se soumettre à toi et à ton œuvre. Et merci, Saint-Esprit, parce que tu nous conduis auprès du Père. Tu nous diriges auprès du Père pour qu'on puisse avoir cette relation intime, cette proximité avec notre Papa céleste. Seigneur, on veut, on veut juste respirer ta présence ce soir. Hein. Seigneur, viens bannir toute crainte, toute peur, tout stress, toute anxiété. Viens balayer tous les soucis de la semaine. Tout ce qui pourrait, Seigneur, enlever notre attention de qui tu es de ce que tu veux faire, Père. Viens tendre ta main ce soir afin qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles. Alors que ta parole est proclamée, Père, on veut te glorifier, on veut t'honorer, Père. Il ne s'agit pas de nous. Il... Jamais s'agit de nous, mais il s'agit toujours de toi, Père. Nos yeux sont fixés sur toi ce soir. Et on s'attend à toi. On a faim et soif de ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait tellement plaisir de, de voir l'église qui se réunit. Enfin, on peut se retrouver. Ça fait tellement plaisir mon cœur est dans la joie, j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir ici, c'est toujours un honneur pour moi de, de venir dans cette église. On fait partie de la même famille et puis c'est un privilège vraiment. Alléluia. Euh, le message que j'avais à cœur pour ce soir euh, concerne en fait le, le réveil spirituel et, et plus précisément en fait le réveil qui a eu lieu euh, dans le livre des actes au chapitre 5 notamment. Moi, j'aime beaucoup, énormément le livre des actes, c'est un de mes livres préférés dans la Bible, parce qu'en fait, il y a la pentecôte, les, les apôtres, les, les, les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, baptisés, chacun reçoit sa flamme, et au fil, il y a la naissance de l'Église avec la prédication de Pierre, où en une prédication, il y a 3000 personnes qui se, qui se donnent au Seigneur, et il y a la naissance de l'Église, et en fait, ce qui s'ensuit, c'est juste... Incroyable, c'est puissant, c'est juste magistral et on voit Dieu à l'œuvre et qui utilise des gens comme vous et moi et on voit comment comme en fait Dieu utilise les apôtres et les chrétiens en fait de la première église pour pouvoir répandre l'Évangile et pouvoir Guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, et en fait on voit une grande moisson d'âmes et on voit la main de Dieu, on voit le surnaturel de Dieu à chaque page et c'est excitant. Moi j'ai l'impression, je, je, je tourne les pages, je lis ça, j'ai l'impression comme si je regardais un film d'action, puis je m'imagine la scène et puis je m'imagine tout ça, puis waouh, ça me booste. Et si ça vous booste pas, c'est que il faut, faut vous poser des questions parce que ça devrait tous nous booster le livre des Actes parce qu'on veut ça pour aujourd'hui aussi. Amen. Hallelujah. Alors on va commencer en fait dans, le, dans acte 5, 11 à 12. Une grande crainte s'empara de toute l'église et de tous ceux qui apprirent ces événements. En fait, c'était juste après la mort d'Ananias et Saphira. Et ça aussi, c'est une histoire qui m'a toujours challengé quand je l'ai lue parce qu'on voit Dieu qui qui, qui bousillent des gens, qui en fait en, en un instant, Hope, ils sont morts dans l'Ancien Testament. Mais il n'y a pas énormément d'histoires euh, similaires dans le Nouveau, mais l'histoire d'Ananias et Saphira, elle, elle est challengeante. Parce qu'on voit des gens qui ont menti au Saint-Esprit, et en fait, sur le, sur le champ, hop, l'homme le, comme la femme, son épouse, sont morts d'un coup. Et en fait, c'était la volonté de Dieu. Et moi, ça m'a wow, ça challengé. Et je voyais en fait quand on lit cette histoire, on voit cette crainte en fait qui s'est emparée de toute l'Église, parce que l'Église, les chrétiens ont réalisé, où, oui, Dieu est notre Père, mais aussi ce, ce côté de respect, de révérence, de crainte que Dieu est Dieu et que nous ne le sommes pas. Amen. Amen. Et, et on, on voit toujours l'aspect de la crainte de Dieu d'un aspect négatif, mais je crois que la crainte de Dieu, c'est il y a énormément de choses positives. C'est quelque chose qui doit nous attirer à lui, qui, qui, qui fait en sorte qu'on réfléchit à deux fois avant de faire certaines choses. Et en fait, on consulte Dieu, on prend Dieu au sérieux. On ne le voit pas juste comme notre, notre bon pote là, qui nous aide de temps en temps, comme une roue de secours quand, quand tout va mal. Et en fait, c'est vraiment, vraiment challengeant, mais en même temps tellement encourageant. On voit au verset 12, « Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. » Écoutez bien, ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Moi, je crois que là, il y a une clé pour le réveil. C'est en fait que tous se tenaient d'un commun accord. cest dire qu'il y avait une unité, une unité de cœur, une unité de vision. Ils tiraient tous à la même corde. Et vous savez quoi, le triste constat, c'est qu'aujourd'hui, euh, 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 le mouvement religieux le plus divisé, c'est les chrétiens. Le nombre de différentes dénominations, convictions, euh, etc., mouvements qu'il y a, c'est juste ahurissant. Et en fait, moi, ça me challenge et ça me remet en question. Parce que je crois que c'est un appel, il y a un appel de Dieu là aussi pour la saison qu'on vit. Et on parle toujours du réveil dans nos églises charismatiques, on veut le réveil. Oui, Seigneur, le réveil. Et, et, et moi, le premier, je veux ça. Mais il y a aussi un, un coup qui vient avec. Il y a aussi des, des décisions à prendre. C'est-à-dire d'arrêter de, de critiquer, de juger nos frères et nos sœurs. Au lieu de regarder à ce qui nous différencie, de regarder à ce qui nous réunit, même les catholiques, les protestants, peu importe la dénomination, peu importe si, euh, je veux dire, mais les, les chrétiens, les champions pour se tirer dans les pattes. Et fr franchement, soyons honnêtes, euh, qu'on qu puisse vraiment être vrai ce soir, authentique. Et je crois que Dieu nous ramène en fait à cette église des actes où en fait on bénit les autres. Où on voit les forces dans les autres églises, dans les autres mouvements, au lieu de regarder, ah, mais eux, ils ne croient pas ça, ils ne sont pas tellement remplis du Saint-Esprit, eux, ils baptisent les, les bébés quand ils sont nés, etc. Oui, on peut se fixer sur ce qui nous différencie, mais on peut aussi se fixer sur, on a Jésus comme Seigneur et Sauveur. On a ce Dieu vivant, ce Dieu Tout-Puissant. Et c'est vraiment une, une des clés, en fait, que les apôtres avaient compris, ils étaient d'un commun accord ils avaient ce même cœur. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qu'on doit comprendre aujourd'hui. Que si on veut voir un réveil, il nous faut cette crainte de Dieu, comme les apôtres et l'Église avaient. Il nous faut le surnaturel de Dieu, mais il nous faut aussi cette unité. Amen. Où on choisit de bénir, ou on choisit d'encourager, pas juste d'analyser tout le temps, de, de critiquer, de juger, de chuchoter. Dieu, il n'aime pas ça. Dieu, il a du plaisir quand on bénit. Et quand on, on, on relève l'or qu'il y a à l'intérieur des gens, même s'ils sont différents de nous. Vous savez, on croit toujours que pour travailler ensemble, on est d'accord sur tout. Mais c'est faux. Hein? Regardez les couples, vous êtes mariés. Pour ceux qui sont mariés, vous le savez, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et pourtant, on essaie de faire la vie ensemble et on avance. On n'est pas tout le temps d'accord sur tout. Hein? Et c'est la même chose, vous n'êtes pas toujours d'accord avec votre chef, votre boss, votre supérieur au travail. Vous n'êtes pas toujours d'accord, mais vous vous soumettez et puis vous allez de l'avant et puis on avance. Je pense vraiment qu'il y a une clé à ce niveau-là. On va voir ensemble certainement le, un des plus grands, si pas le plus grand, réveil spirituel qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament. Ils étaient tous d'un même accord, s'attendant au miraculeux et au surnaturel de Dieu. Dans nos mouvements évangéliques charismatiques, on aime bien le côté surnaturel, on aime un peu moins crainte de Dieu, unité. On en parle un petit peu moins, mais je pense qu'il faut un mariage entre toutes ces choses. Amen. Hallelujah. On peut lire au verset 13 personne d'autre n'osait se joindre à eux mais le peuple les tenait en grande estime là aussi on pourrait penser que c'est un aspect négatif qu'en fait les autres gens ne pouvaient pas les rejoindre ils avaient, ils avaient peur mais en fait ce qu'il faut réaliser c'est qu'ils étaient tellement remplis du feu de dieu ces chrétiens que personne n'avait le courage pour se faire passer pour l'un d'eux s'il n'était pas l'un d'eux Tellement il y avait ce feu, tellement il y avait cette crainte de Dieu, cette puissance de Dieu manifeste, qu'en fait les gens avaient même peur qu'en fait ben, Dieu mette fin à leur jour. Ils ont vu l'exemple d'Ananas Sisaphira ils ont vu que ça ne plaisantait pas, que c'était du sérieux. Et en fait, du coup, il y avait cette crainte. Et moi, je crois que Dieu désire un peuple qui est rempli de Sa puissance au point que ceux qui ont de fausses prétentions ne puissent pas dire je suis l'un d'eux. C'était quoi le résultat On peut le voir dans le verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Si ça, c'est pas le réveil, je ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, chaque jour, même on peut voir ailleurs dans la Bible, c'est dit chaque jour le Seigneur ajoutait des hommes et des femmes, ajoutait des âmes. Et donc il y avait des, chaque jour des gens qui étaient sauvés, guéris, délivrés, restaurés. C'était vraiment un réveil spirituel. Qui avait lieu dans la ville de Jérusalem. Ah, qu'est-ce que j'aurais donné pour être là, puis pour voir ces, ces choses de mes propres yeux. On continue au verset 15. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que, lorsque Pierre passerait son ombre, au moins couvre l'un d'eux. Mes amis, si ça, ça vous challenge pas, alors je sais pas qu'est-ce qui peut vous challenger. Nous on prie pour un malade tous les six mois on ne le voit pas être guéri et puis on tombe dans une dépression. Et les amis, je veux dire, je pense qu'on va voir de plus en plus de fruits, Dieu intervenir au niveau miraculeux, plus on va s'activer, plus on va mettre la main à la plate, plus on va prier pour des malades, plus on va commencer à s'activer, bien sûr dans l'amour, dans la compassion, rempli du Saint-Esprit, C'est pas nous, c'est Christ en nous, c'est le Saint-Esprit en nous qui agit. Mais c'est vraiment important de réaliser, Pierre, c'était son ombre qui guérissait les malades. Waouh, l'onction qui devait être sur Pierre à ce moment-là. La présence de Dieu, la manifeste présence de la gloire de Dieu, du Saint-Esprit dans la vie de Pierre. Waouh, au point où les gens, ils amenaient les malades dans les rues. Le jour où les, les gens amèneront les malades devant les églises parce qu'ils savent qu'en fait ils sont guéris, il y a quelque chose qui se passe, ben, je crois aussi qu'on va vivre un réveil. Je crois de tout mon cœur que c'est possible. Que c'est possible pour la Suisse, que c'est possible pour Gland, que c'est possible pour la côte, que c'est possible pour la Suisse romande. Mais, même pour les Suisses allemands. <laughs> non, je suis moitié-moitié moi, donc de euh, toute façon j'aime les deux. Hein. Euh, donc pour toute la nation et même pour l'Europe, je crois que vraiment aussi Dieu. Avant que Jésus va revenir, il va avoir un réveil mondial qui va engranger énormément d'âmes, qui va vraiment sauver une multitude des millions, où on va voir la main de Dieu. Mais je crois aussi qu'on doit se préparer pour ça. On va être prêt. Amen. Alléluia. J'aime cette équipe. Ils étaient fous, ils étaient embrasés, ils étaient passionnés. Et puis on voit l'excitation et l'attente qui augmentaient de plus en plus parmi le peuple. Toute la nation était secouée. Hallelujah. Au verset 16, une foule de gens accourait aussi des villes voisines. Maintenant, c'était plus juste Jérusalem, c'était les villes voisines. Vers Jérusalem, ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. Tous. Quand la Bible elle dit tous, c'est tous. Hein, quand la Bible elle dit tous, c'est pas juste la moitié ou 99%. que la Bible elle dit tous, c'est tous. Tous les malades qui étaient amenés étaient guéris. Waouh! Ça veut dire un taux de succès de 100%. Magnifique. Ça, c'est un beau réveil. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, les amis? Au verset 17 à 20, on peut voir que la persécution a pris place. Et moi, je vous dis une chose quand Dieu commence à bouger dans ta vie, quand tu te soumets pleinement à Dieu et que Dieu commence à agir d'une manière puissante dans ta vie, sache que la persécution, c'est juste un, un, un effet naturel de ce qui va se passer. Jésus a été persécuté, et en tant que chrétien, on ne doit pas être choqué si on est persécuté. Et ici, on est là, il y a quelqu'un qui nous parle plus au boulot, ou quelqu'un qui dit Oui, mais lui, c'est un religieux aussi, ou ça. On est là, tout, tout vexé, tout offensé, et on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais les amis, c'est rien du tout, ça. Dieu veut créer en nous cette capacité de ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Ça ne nous atteint même pas. J'aime beaucoup Reinhard Banquet qui disait qu'il ne laissait ni les louanges des hommes ni leurs critiques l'atteindre. Quand tu sais qui tu es en Christ, en, en tant que fils, en tant que fille de Dieu, tu t'en fiches de ce que les gens disent et pensent de toi. Parce que tu ne te nourris pas de ça, tu te nourris de ce que le Père dit de toi, de ce que la parole de Dieu déclare de toi. Et c'est ça qui compte. Amen. Hallelujah. Donc, on voit la persécution verset 17 à 20, toujours au chapitre 5. Alors, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, quand ils ont vu comment Dieu utilisait les apôtres. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncer au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Amen. Moi, l'ange du Seigneur, il me fait rire. Moi, je trouve ça génial. Il y a les apôtres, ils sont, ils sont persécutés, ils sont mis en prison. L'ange, vient, il les délivre. Et qu'est-ce qu'il fait Il les renvoie directement sur le champ de missionnaire, directement là où ils étaient. Et, et en fait, ben, les apôtres, ils se posent pas 36 questions. Ils ne sont pas en train de discerner ce que c'est la volonté du Seigneur, est-ce que je l'appelle ou pas Il faut que je demande aux frères et aux sœurs. Non je veux dire, ils sont retournés directement au temple et ils ont obéi. Et en fait, là où ils étaient persécutés, ils y sont retournés. Waouh, quel courage, quelle audace, quel zèle, quelle passion, quel amour. Ça me défie, les amis. Ils y sont retournés directement. Et leur prédication a été accompagnée par des signes et des prodiges et par la guérison divine. Puis on peut voir le grand prêtre qui a envoyé des gardes chercher les apôtres à la prison, et on peut lire ça au verset 22-23. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent le rapport. En disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. C'était toujours loqué, fermé. Okay? Et les gardiens devant la porte. Mais quand nous avons ouvert, nous avons trouvé personne à l'intérieur. Wow, magnifique. C'est excitant. Les amis, est-ce qu'il y a quelque chose au fond de vous, ce feu-là qui commence à, à brûler, cette passion-là qui commence à vous consumer moi, je ne peux pas rester tranquille, en tout cas, moi, je ne peux pas. Je suis désolé. Je ne vais pas rester sage comme une image, tel un bon Suisse. Mais je vais exprimer ma passion. Alléluia. Mes amis, il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes. On est appelé à obéir à Dieu, peu importe ce qu'il en résulte. Le peuple de Dieu va et doit faire face à la persécution. Jésus nous en a parlé, on ne doit pas être choqué. Et dans les temps qui s'en viennent, dans les, dans les, dans les dizaines d'années qui s'en viennent, il faut qu'on s'attende à la persécution. Et je crois que Dieu veut, veut préparer son église, préparer son peuple pour qu'on soit inébranlable. Pour que le, quand la persécution s'en vient, on, peut, on est inébranlable. Coûte que coûte, on choisit d'obéir Dieu plutôt qu'aux hommes. Encore ces derniers temps, j'ai lu tout le livre de Daniel et ça m'a aussi challengé tous les défis qu'il a traversés, tout ce qui lui est arrivé. Mais Dieu a toujours pourvu à la délivrance, toujours pourvu à la solution. Et c'était un homme d'intégrité, un homme qui a marché avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut aussi pour nous. Le diable, mes amis, il déteste les chrétiens qui sont saints, donc qui sont mis à part, consacrés et remplis de la puissance d'en haut. Mais, oh là là, notre Père, il les aime. Il les aime. Il est là pour eux. Il est prêt à les délivrer. Il est prêt à, pour des solutions. Et même des fois, quand ça arrive pas juste au moment où on aimerait, Dieu, comme ça a été dit avant, il est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Amen. Quel réveil magnifique. Tous les apôtres étaient apparemment présents et Dieu les utilisait puissamment. Beaucoup de signes de prodiges se manifestaient au travers d'eux parce qu'ils étaient unis d'un commun accord. Ils prêchaient la parole et ils avaient aussi foi que Dieu allait intervenir. À cause de ça, le feu de Dieu est tombé sur l'église des premiers temps et les pécheurs tremblaient, les amis. Proverbe 9, verset 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On dit souvent, oh, Seigneur, on veut la sagesse. Ben, ça commence par avoir la crainte de Dieu. C'est le début de la sagesse. Plus on connaît notre papa, plus il y a cette, justement cette sainte révérence qui vient sur nous. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Plus vous passez du temps dans sa présence, dans son intimité, plus vous découvrez les facettes de qui il est. Plus il y a une sainte crainte qui vient, il y a un respect, il y a, il y a un amour, il y a, il, y a, il y a ouais cette crainte qui nous envahit et en fait qui nous attire vers lui. Et en fait cette crainte aussi qui en fait met ce désir en nous d'être pur. De, de lui ressembler de plus en plus et de se laisser purifier, même si ça fait mal, même si c'est douloureux. On doit croire qu'il a le désir et la puissance pour se manifester au milieu de nous. Et que c'est une terrible chose de résister à la main de Dieu, à la puissance de Dieu. On doit s'équiper de l'armure complète, complète pardon, et nous battre non pour la victoire, comme ça a été dit aussi avant, parce qu'on l'a déjà. On se bat d'une position où on est déjà victorieux. Okay, on se bat de la victoire, mais pas pour la victoire, Amen. mais de la victoire. Parce que Christ a tout accompli à Golgotha. Et il y a qu'un seul abri mes amis et c'est vers le flanc percé de Jésus. C'est le seul endroit où on peut aller se réfugier. C'est vers le flanc qui a été percé à Golgotha, son sang a coulé. Dans l'Ancien Testament, on peut lire les œuvres de Dieu en fait au sein de son peuple. Lorsque quelqu'un était envoyé avec un message, ça semblait souvent fou, humainement parlant. Mais qu'est-ce qui était le résultat Dieu se montrait toujours et il apparaissait, il était toujours en fait, il mettait son sceau sur le message de la personne qui le délivrait. Et puis lorsque le message a été délivré, Dieu apparaissait avec le surnaturel, avec le signe de sa présence. Il manifestait sa présence de manière miraculeuse. Et cela mettait une crainte sur ceux qui ne le connaissaient pas. On peut voir à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament aussi, il disait il n'y a aucun autre Dieu comme celui des Hébreux. À cause de ses œuvres merveilleuses, les gens avaient crainte de lui. Et dans le Nouveau Testament, des signes et des prodiges ont été faits devant le peuple. Partout où Jésus allait, les gens le suivaient. Dieu le Père était avec lui, mettant la crainte sur les gens au travers des miracles, des signes et des prodiges que Dieu accomplissait au travers de Jésus. Et dans Jean 14, 10, on voit Jésus lui-même qui dit, Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Amen. Hallelujah. Jésus en toi, le Saint-Esprit en toi. Les apôtres ont dit de même que c'était par la puissance du Saint-Esprit en eux qu'ils accomplissaient ces œuvres. Et 1 Corinthiens 6, 19 nous dit qu'on est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et une des choses que je, que je sentais pendant la louange, j'avais cette image du Saint-Esprit qui était venu sur Jésus après son baptême d'eau. Jésus a été baptisé dans le Saint-Esprit et on voit le Saint-Esprit qui vient, comme une, sous une forme de colombe, se déposer sur Jésus. Et non seulement y être déposé, mais y rester. Et la parole que j'avais pour vous ce soir, c'est que Dieu cherche des gens sur lesquels le Saint-Esprit peut se déposer, mais non seulement se déposer, mais y rester et faire son habitation, faire sa maison. alléluia C'est au travers des mains des apôtres que Dieu faisait tous ces miracles. Et les gens y croyaient à leur message lorsqu'ils voyaient les signes qui accompagnaient leurs paroles. Jésus ordonnait aux esprits mauvais de sortir et, Instantanément, ils obéissaient. Ils n'avaient même pas le choix. Ils étaient soumis à l'autorité de Jésus. Le Saint-Esprit se manifestait puissamment au travers des impôtres et c'est de la même manière que Dieu veut agir au travers de toi et moi aujourd'hui. Des fois, on lit ça et puis c'est vrai qu'on est challengé, mais des fois, c'est presque difficile de croire oh, Dieu veut faire ça avec moi. Et ce soir, mon but, c'est de vous réencourager à vous remettre en piste, à croire au surnaturel, à croire au miraculeux, à recommencer à prier pour les malades, à chasser les démons, à, à, à vous attendre, à voir la main de Dieu agir en vous et au travers de vous. Les apôtres, ils n'avaient pas peur de la persécution, ni de l'épée ou de quoi que ce soit d'autre. Ils affrontaient la mort sous, toute sous toutes ses formes. Au lieu, ils préféraient en fait affronter la mort que tourner le dos à Jésus-Christ. Et Dieu a permis que les apôtres soient arrêtés, mis en prison, parce qu'en fait, ça lui donnait une opportunité de dévoiler sa puissance. Et Dieu aime faire ça. Il a envoyé son ange, les a délivrés. L'ange de l'éternel est avec les siens. L'ange de l'éternel est avec toi. Notre citoyenneté est au ciel, les amis. Elle n'est pas sur cette terre. Notre citoyenneté, notre passeport, notre vrai passeport, ce n'est pas le passeport rouge et blanc en suisse avec la petite croix c'est le passeport céleste. On a la citoyenneté au ciel, on est enfant du roi. Et autour de nous se trouvent les anges de Dieu. Il faut qu'on en prenne conscience. Hébreu 1 au verset 14 dit, Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut C'est nous qui allons hériter du salut. Et les anges sont là, les anges de Dieu sont là pour presque, ben ouais, presque pas presque, nous servir, nous aider lorsqu'on en a besoin. Même si on ne les voit pas, même si tes yeux physiques, naturels ne les voient pas, les anges sont là pour te servir, sont là pour te protéger. Les apôtres étaient persécutés, leur meeting interrompu à Jérusalem. Les gens amenaient les malades, les aveugles, les possédés. ils ne fois même pas terminer ce qui se passait parce qu'en fait, il y avait tellement de malades, il fallait directement hop, prier pour les gens et puis passer autant de ministères, si j'ose dire ça comme ça. Le paralytique. Qui a été en fait amené dans la maison où Jésus prêchait. Ses amis l'ont amené là, ils ont ouvert le toit, ils l'ont descendu sur son lit. Vous croyez que ce paralytique, il a, il a interrompu le meeting Non. Jésus était heureux. Il était content parce que c'était une occasion de glorifier le Père et de manifester la puissance de Dieu en guérissant ce malade. Moi, j'aime cette histoire parce qu'il y a une audace, il y a une faim, il y a une soif. Ça sort du, du de l'aspect conventionnel. Vous savez, en Suisse, des fois, on est un peu trop conventionnel, on est un peu trop coincé. On veut toujours trop bien faire, on ne veut pas vexer, on ne veut pas offenser. Et puis, à cause de ça, on fait rien, des fois. Et Dieu veut nous sortir de cet aspect conventionnel. Je ne dis pas de manquer de respect. Mais si on lit cette histoire comme un bon Suisse, on dit oh, il est respectueux. Mais c'est un outrage. Jésus, il enseignait. Et puis, ils ouvrent le toit, ils descendent ce malade. Non, Jésus, il n'était pas comme ça. Jésus, il ne les, les a pas repris. Jésus était heureux d'une telle situation. Il lui a pardonné tous ses péchés. Il l'a guéri. Il lui a dit de prendre son lit et de marcher. Partout, où le Saint-Esprit se déverse. Vous allez voir des signes de sa présence. Je crois que c'est pour nous aujourd'hui. Moi, je brûle pour ça. Je ne désire pas un évangile sans puissance. Je désire un évangile de puissance. Okay, on, a été, on a été sauvés pour partager un évangile de puissance. Un évangile qui fait la différence dans la vie des gens. Un évangile qui répond aux besoins et qui tourne les problèmes en solution. Qui tourne la maladie en guérison divine, en santé divine. Hallelujah. Jean 7, 38. Et on l'a chanté avant. Il y a eu beaucoup de versets, euh, beaucoup de, de parties de, de du Un des chants qu'on a pris qui parlait de ça. Jean 7, 38 dit Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Les fleuves d'eau vive, c'est quoi C'est le Saint-Esprit en toi, il veut sortir. Il veut pas rester coincé à l'intérieur de toi. Il veut pas, il veut pas juste qu'on se bénisse entre nous, qu'on se caresse le nombril entre chrétiens, un bon café, un morceau de cake, c'est cool, on a une bonne réunion. Il veut que le Saint-Esprit veuille nous remplir pour pouvoir sortir et toucher et impacter faire la différence dans ce monde. Si ça ne sort pas de toi, tu vas commencer à sentir mauvais. Comme dans mon jargon, du jour à Bernard dit, tu vas commencer à schlinguer. Ça ne sent pas bon. Tu n'es pas appelé à être un étang. Tu n'es pas appelé à être un lac qui récolte juste ce qu'il reçoit. Tu es appelé à être un fleuve d'eau vive. Et un fleuve, ça coule. L'eau, ça coule et ça va quelque part et ça va partout et ça s'infiltre et c'est vivant. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi veut sortir de toi. Les amis. On n'est pas appelé à être une éponge qui prend, qui prend, qui prend, et puis qui est toute gorgée. Non, une éponge, une éponge toute gorgée, tu as envie de la serrer, puis il faut que ça sorte. Et Saint-Esprit en toi veut sortir de toi, veut toucher. Je vais vous raconter un témoignage de ce qui s'est passé dernièrement qui m'a beaucoup encouragé. Quand on se réunissait encore à, à, au D-Club à Lausanne, à l'Église, euh, donc ça fait un peu plus d'une année qu'on avait ces locaux-là. À un moment donné, durant tant de louanges, je sentais le Saint-Esprit en moi qui m'a dit va vers cette femme et je veux que tu lui donnes une parole de ma part. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé toquer sur son épaule, elle est en pleine louange. Justement, j'ai pas fait mon bon suisse. Je dis écoute, j'ai une parole du Seigneur pour toi. Et j'ai vraiment donné une parole prophétique avec. Il y a des choses que Dieu m'a révélées sur ce qu'elle a vécu, parole de connaissance. Et puis, et puis en fait, j'ai des choses assez personnelles, des choses assez intimes, mais j'ai partagé ça. Et au moment où je parle avec elle, elle commence à pleurer à chaudes larmes. Et À la fin, elle me dit Est ce que je peux est ce que je peux juste te faire un hug? Je dis Oui, bien sûr, pas de problème. Et elle était touchée, elle m'a dit Merci, 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 j'en avais besoin, merci. En fait, il s'avérait que cette fille était une chanteuse et musicienne professionnelle, et en fait elle était, elle était elle n'était pas encore vraiment engagée avec le Seigneur. Et j'ai appris qu'après ça, ça a été un des éléments. Pas, ça n'a pas été le seul élément. Okay? J'ai juste été une petite étape dans, dans son parcours, dans son histoire. Okay? Je ne suis pas en train de partager ça pour me, pour me glorifier, me mettre en avant, mais pour vous encourager de voir que quand on prend notre courage à demain, ça peut faire la différence. Donc j'ai appris que c'était une des étapes qui lui a permis après de se consacrer au Seigneur, de donner sa vie à Jésus. Et il y a deux semaines, on a eu un baptême, on a fait un baptême d'eau dans un jacuzzi à Lutry, eau à 32 degrés. Purée, c'est difficile des fois de baptiser les gens. Dans un jacuzzi avec vue sur le lac, les Alpes et tout. Ah, c'était vraiment violent. Hein. J'hésitais à y aller. C'était vraiment un, un prix très difficile à, à, à payer, hein, un gros prix. Quoi. Non, c'était incroyable. Et on, on a pu la baptiser seulement pour elle, avec des gens de sa famille, des amis. Et elle s'est baptisée dans le jacuzzi et c'était juste magnifique. Et elle a témoigné de son parcours de ce que dieu a fait dans sa vie et ça m'a tellement encouragé parce qu'elle a pris du temps pour honorer chaque personne qui était là et pour leur dire l'impact qu'ils ont eu sur sa vie et elle m'a rappelé cette parole que je lui avais donnée et je, je, vraiment je je pleurais comme un homme, c'est-à-dire derrière les yeux pour que ça ne se voit pas. Je retenais mes larmes. Non, mais ça m'a vraiment boosté. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus encourageant que quand on voit Christ, le Saint-Esprit, agir au travers de nous et nous utiliser pour sa gloire Pas pour nous. On est juste un canal. On est juste un canal que Dieu veut utiliser. Les amis, il faut nous mettre en action. Alléluia. Et pas seulement à l'église, dans les rues. T'es en train de faire euh, tes achats à Saint-Esprit, te met quelque chose à cœur, mais arrête-toi pour la personne qui est devant toi. Tout au pire, c'est quoi Une petite moquerie, ha ha ha, Tu veux te ramasser Mais c'est quoi? C'est rien du tout. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'arrêter dans la rue vers des dents chrétiens, puis il dira, ah, vraiment... excusez-moi, ça, je me présente, tout ça, j'ai l'impression que tout, je fais vraiment court Personne dit non, pas du tout. <laughs> je suis là, ok, pas de soucis. Il Y a pas de problème. En fait, moi, je prends ça à la rigolade, parce qu'en fait, les gens, ils, ils, ils voient que je suis tout sourire sous le visage, et puis, en fait, qu'il y, y a quelque chose en moi, il y a de l'amour. Et du coup, ils sont pas froissés, ils sont pas en train de m'envoyer balader. Okay? Tout, tout, tout au pire, ils disaient un peu louche et mystérieux ce genre là mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, <laughs> alléluia ce réveil était incroyable. Les gens amenaient les malades de partout. Des multitudes étaient sauvées, guéries, délivrées, transformées. C'était de la puissance brute, la puissance de Dieu sur Pierre était telle que son nom guérissait les malades. Regardez Paul. Il a prié pour des tissus, pour des mouchoirs, et après ils ont envoyé ces, ces, ces tissus vers des gens. Et puis ces gens qui étaient malades, qui ont touché ces tissus, waouh, ils ont été guéris. Il y avait une telle action et la puissance de Dieu qui se manifestait au travers de tissus. Et là, aujourd'hui, à cause du coronnage on ne pourra pas trop vous approcher, vous imposer les mains et les pieds. Mais Dieu va agir, Dieu va agir, il est là. Il n'y okay? a pas besoin, y a, justement, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de schéma point .1, point .1a, .1b. Jésus il guérissait toujours différemment. Une fois, il crachait par terre, il faisait une boule de terre, il appliquait sur les yeux. Une fois, il prenait autorité, il chassait l'esprit mauvais. Une fois, il imposait ses mains. Une fois, c'était juste, il donnait une parole. C'était chaque fois différent. Pourquoi parce que Dieu, il ne veut pas des recettes. Il veut qu'on soit dépendant du Père. Qu'à chaque fois, on entende la voix du Père. Papa, qu'est-ce que tu es en train de dire Qu'est-ce que tu veux faire C'est ça qui crée cette dépendance. Comme ça, on ne rentre pas dans des schémas, dans des techniques. Les Américains, ils aiment bien les cinq points pour être victorieux. Les sept points de la prophétie puissante qui transperce les cœurs et les anges descendent, et etc. Et on aime, on aime bien, les humains, on aime bien tout. Hein? Mais Dieu, non moi, déjà, des fois, je suis tombé dans ce piège, Je voulais faire la même chose. Puis d'un coup, je suis là. Ah, oh, mince, ça ne fonctionne pas. Puis Dieu me dit Oui, parce que c'était pas comme ça que je voulais que tu le fasses. J'avais envie que tu viennes vers moi. Puis que tu me demandes. Amen. Amen. Hallelujah. Le Saint-Esprit veut se manifester au travers de nos mains, nos corps. Et je vais terminer. Si je pars euh, le pianiste au loin, pour la louange, ce serait super. Merci. Au fond. Alléluia. Moi, je crois que quand dans nos cœurs on désire élever Jésus, que nos cœurs, en fait, les intentions de nos cœurs sont à la bonne place, et puis que on désire le louer, l'adorer, le glorifier, qu'on ne prend pas la gloriole pour nous, qu'on ne prend pas des choses pour nous qui ne nous appartiennent pas. Mais quand on comprend notre place et qu'on est sûr dans qui on est, dire Seigneur, je veux juste être un outil dans Ta main. Seigneur, utilise-moi, je viens avec humilité devant toi. Père, utilise-moi comme un canal pour que tu puisses manifester ta gloire, manifester ta présence. Ce monde est en attente d'une rencontre avec Jésus. Ce monde est, une rencontre, ah, est en attente pardon, avec une rencontre de ce Père d'amour, ce Père tout-puissant qui a une solution pour nous qui veut les transformer, les bouleverser, qui veut guérir, sauver, restaurer. Il est temps, les amis, qu'en tant qu'Église, on puisse se lever avec autorité, dans l'amour, avec la vérité de la parole de Dieu, mais aussi avec la puissance du Saint-Esprit en nous et sur nous, pour pouvoir faire la différence. Le même réveil qui a eu lieu à Jérusalem peut avoir lieu ici, les amis. L'histoire le montre, si vous étudiez un peu l'histoire des réveils, il y en a eu au pays de Gai, il y en a eu dans beaucoup de pays, il y a eu des réveils. Et à chaque fois, Dieu se manifestait différemment. Les gens l'attendaient d'une certaine manière, mais Dieu venait différemment. Et ça, je crois aussi que c'est une des clés par rapport au réveil, c'est de comprendre, en fait, que Dieu va certainement venir différemment que ce qu'on pense, ou ce qu'on a déjà connu. Et la question, c'est est-ce que tu es prêt à te faire bouleverser Est-ce que tu es prêt à te remettre en question, même si c'est différent de ce que tu pensais même si ça te challenge dans ton confort et que ça te rend un petit peu inconfortable. Vous savez, quand le réveil est venu à Toronto, les gens ont beaucoup critiqué parce que ça venait d'une manière un peu inattendue, un peu particulière. Mais Dieu a agi. Et des gens du monde entier ont volé là-bas, ont pris l'avion pour aller voir ce que Dieu faisait là-bas. Et parfois on est là, ouais mais ils sont fous, Dieu est partout, pourquoi ils vont là-bas Mais là aussi, à Jérusalem, quand il y a eu le réveil, les gens venaient de toutes les villes environnantes pour voir ce que Dieu était en train de faire. Et moi, j'ai envie de voir Dieu agir en Suisse. Vous savez, j'ai envie qu'on puisse sortir de notre confort financier, des assurances, de nos sécurités. Et puis qu'on puisse venir vers Dieu, puis s'attendre à Lui. Il y a tellement de gens qui ont besoin de Lui. Et il y a quelques semaines, j'étais à Singapour, et Singapour s'appelait la petite Suisse de l'Asie. Ma femme est à moitié singapourienne, et on était là, et... Et c'est voiture de luxe sur voiture de luxe, la plus grande concentration de millionnaires au monde. Et il y a tellement de richesses, c'est tellement de biens. Mais en fait, les gens, il y a beaucoup aussi, c'est les apparences. Et les gens ne sont pas forcément plus heureux. Et en Suisse aussi, ici, on a tellement. Mais en fait, des fois, ce confort qui est tellement grand, en fait, il nous, il nous vole cet amour pour Dieu. Il nous, il nous vole cette passion. Les amis, veillons sur notre cœur. Veillons sur ce premier amour. La première chose que le diable va essayer de voler, c'est ce premier amour. C'est ton intimité, c'est ta relation avec Dieu. Avec toutes sortes d'activités, toutes sortes de divertissements. Mais Dieu veut se manifester. On est appelé à se lever, à briller, à donner gloire à ce Dieu. toute cette gloire qui lui revient. Hallelujah. Comme Dieu s'est manifesté dans le livre des actes, au chapitre 5. Dieu veut se manifester aussi ici. Je vais juste prendre 2-3 minutes pour qu'on puisse tous se lever. Et qu'on puisse qu s'approcher qu de ce Dieu vivant, qu'on puisse lui demander d'intervenir. Et après ça, on va avoir un temps de ministère où les gens, les équipiers de prière, pasteurs ici, les leaders ici seront à vos dispositions aussi pour pouvoir prier pour vous. Et on va s'attendre ensemble à ce Dieu des miracles, à ce Dieu de l'impossible. Si même si tu as une situation qui te semble impossible humainement, sache que pour Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit nous dit sa parole. On va s'unir ce soir en tant qu'Église et on va croire. Alléluia. Et en fait, ce que j'ai à cœur, je ne sais pas si c'est ok pour, pour toi, pasteur Christophe, et si le groupe de louange pourrait venir ici, et on pourrait reprendre un chant où on puisse vraiment glorifier Dieu, s'attendre à Lui. Et alors qu'on chante ce chant, alors qu'on se décentre de nous pour se centrer sur Lui, est-ce qu'on peut aussi Lui demander d'intervenir dans nos situations, dans nos vies, dans nos familles il y a des gens ici, vous criez à Dieu, vous êtes désespérés, vous ne savez même plus comment demander à Dieu. Parce que ça fait tellement longtemps que vous priez pour des situations, pour des gens sauvés dans votre famille, pour des gens guéris, pour des situations financières, pour des situations familiales, relationnelles, où Dieu va intervenir. Et moi, je crois qu'alors qu'on choisit d'arrêter de, de se fixer sur notre propre nombril et qu'on décide de regarder à Lui, et bien que Dieu va intervenir. Amen. Alléluia. Donc après ce chant, on est à votre disposition aussi pour prier pour vous les amis. Alléluia, gloire à Dieu.